Et Asrat, justement, notre envoyé spécial Jalal Bouzrara a rencontré Abedi Pelé, une grande star du football africain et ex-international du Ghana. On suit ensemble l'interview. Bonsoir Manal, effectivement, on est ici au centre des conférences de Srirat pour ce symposium organisé par la Confédération africaine de football. Le football africain, notre vision, et qui de mieux qu'une grande, même très très grande légende pour nous accompagner ici, Abedi Pelé. Bonsoir Abedi. Bonsoir. Quelles sont vos attentes, vous les grandes légendes, comme vous, quelles sont vos attentes par rapport à cette nouvelle direction de la Confédération africaine de football qui vient vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup en tout cas de promesses. Quelles sont vos attentes, mais aussi, Abedi, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la CAF et à travers elle au football africain encore? Qu'est-ce que nous on peut apporter? Je crois que c'est ça le plus important. Parce qu'on dit, il ne faut pas toujours attendre qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Et ça, c'est des choses très importantes. Et nous, qu'est-ce que nous on peut faire? C'est pour ça qu'on vient des réunions là. On est tous assistés des réunions. On a vraiment discuté profondément de les changements de la Coupe d'Afrique. Les Coupes d'Afrique des Nations, on a discuté profondément si on peut les garder en 2 ans ou on peut les faire en 4 ans. Et puis, changer les dates en janvier, de juin. Toutes les choses-là, on est en train de discuter profondément. Ça, c'est des choses qui n'ont pas été faites avant. Même si ça a été fait, il n'y a pas eu le consensus. Comme ça, où il y a des anciens joueurs, où il y a des journalistes, où il y a même les entraîneurs. Alors, il y a de nouvelles choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ça, vraiment, nous, on est contents. C'est ça que nous, on peut vraiment amener à la CAF. Les discussions, les décisions, de ne pas peur de prendre les décisions. Les décisions populaires où les gens ne sont pas contents, mais demain, ils vont voir que c'était les meilleures décisions qu'on a prises. C'est ça que nous, on peut apporter. Et vraiment, on est tous contents d'être ici et d'accompagner le président de la CAF pour son mandat et peut-être le mandat suivant. Vous avez l'impression, donc, Abedi Pelé, d'être maintenant entendu, de ne plus se contenter d'un rôle protocolaire ou peut-être d'une utilisation d'un nom, d'une marque, d'une ancienne légende. Aujourd'hui, vous avez un rôle et vous allez se jouer ce rôle. Pour l'instant, le rôle n'est pas encore décisif. Mais quand même, d'avoir l'occasion d'être parmi toutes les personnalités du football, d'être vraiment ici, considéré comme un ancien joueur, tout ça là, ça nous touche au cœur. J'ai vu Bellomi tout à l'heure, j'ai vu les anciens, j'ai vu Majer, j'ai vu tous les grands joueurs, j'ai vu Kalusha, Eto, tout le monde. Et ça, ça nous touche au cœur et ça nous montre que le futur sera bon. Et nous, on est prêts à aider le président jusqu'au bout. Et on va bien sûr terminer sur cette note d'optimisme. La grande star du football africain, Abedi Pelé. Ce symposium, Manal, se poursuit demain, ici même, toujours à Srirat. Et autour de cette thématique importante, football africain, notre vision.